Eh bien, salut tout le monde, c'est Bijawa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à avoir Photoshop gratuitement. Adobe Photoshop, enfin voilà pour ceux qui connaissent. Enfin, si vous êtes sur la vidéo, dans tous les cas, j'imagine que vous connaissez. Vous aurez un petit lien dans la description pour télécharger le fichier .rar. Et voilà, vous allez télécharger donc ce fichier. Hop, petit fichier Adobe Photoshop, comme ça. Donc ça va se présenter comme ça. Donc ça va être un tuto assez rapide, assez bien expliqué en principe. Ouais, je vais essayer de faire de mon mieux quoi. Donc là, vous allez avoir trois dossiers. Ceux-là, vous n'allez pas les toucher. Du moins pour le moment. Et là, vous allez avoir un petit tuto écrit au cas où vous oubliez comment on fait. Imaginons, il y en a qui s'en foutent de la vidéo. Bon, ça arrive, hein, je connais ça moi aussi. Vous voulez juste installer Photoshop, vous téléchargez le fichier et c'est expliqué là dans tous les cas. Mais sinon, vous allez avoir un petit fichier setup.exe. Vous double-cliquez dessus. On attend un petit peu. Parce que là, c'est en train de se dézipper en même temps. Parce que le dossier est compressé, donc là ça va vous faire l'installation, vous faites OK. Hop, installer Photoshop 2020, vous faites continuer. Langue française, emplacement par défaut, continuer. Et donc là ça va s'installer, installation en cours, normalement ça devrait aller assez vite. Ça dépend je pense de la puissance de votre PC, mais je suis pas sûr. Connexion, ça m'étonnerait que ce soit relié à la connexion. Mais voilà, donc vous attendez un tout petit peu, ça risque de prendre quoi? Je dirais 5-10 minutes maximum. On va attendre un petit peu. 21%. Ça charge, ça charge. 30%. Regardez, 2 à 4 minutes restantes, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. À liker la vidéo aussi, ça ferait vraiment super plaisir. Ça m'aide vraiment beaucoup. Ok, moins d'une minute restante. Bientôt fini. 53%, on a la moitié de l'installation. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, vraiment ça m'aide vraiment beaucoup à améliorer les vidéos. Quand j'ai des petits commentaires du genre la qualité du son elle bug à ce moment-là ou quoi, je peux voir d'où ça vient et améliorer le problème pour plus que ça se reproduise. Comme ça, petit à petit, à force de résoudre les problèmes, on arrive à un format de vidéo qui est plutôt qualitatif. Ok, 74%, c'est bientôt terminé. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez avoir trois fichiers juste là. On peut les dézipper dès maintenant parce qu'ils sont dans un fichier. Enfin, ils sont dans un fichier rare, donc c'est pas les dézipper, mais c'est. On peut les décompresser quoi. Donc vous pouvez les faire glisser sur votre bureau dès maintenant. Pendant que la mise à jour s'installe, vous pouvez faire les deux en même temps. Hop. Alors vous attendez, je sais pas pourquoi ça m'a fait un écran bleu comme ça. Pourquoi j'ai un écran bleu? Ok, c'est bon. Bon, je sais pas, ça a bugué. Ah oui, mais c'est mon Explorer, il s'est fermé, je sais pas pourquoi. Hop. Ok. C'est bon normalement. Ok, on a les trois fichiers du coup décompressés juste là. Ok, le programme Photoshop 2020 a été installé. Donc vous pouvez faire fermer. Alors là, vous n'allez pas lancer Photoshop directement. Du coup, vous allez aller dans l'explorateur de fichiers. Vous allez aller ce PC, disque local, programme. Vous allez chercher Photoshop. Oui, Photoshop. Ah, c'est dans Adobe, pardon. Adobe. Vous allez avoir Adobe Photoshop. Donc c'est un dossier de fichiers. Hop. Vous double-cliquez. Et là, vous allez avoir du coup plein de dossiers comme ça. Et en plein milieu, vous allez avoir Photoshop.exe. Ne le lancez pas. Vous pouvez faire épingler à la barre des tâches pour l'avoir juste là. Moi, je vais le faire dès maintenant. Comme ça, je l'aurai. Je le mets là. Hop. Et là, vous allez faire quelque chose. C'est que les trois dossiers qu'on a mis précédemment sur le bureau, vous allez les prendre et les faire glisser juste là. Hop, et donc là vous devez disposer des droits d'administrateur pour déplacer les éléments dans le dossier. Vous allez cocher faire ceci pour tous les éléments actuels. Continuez. Vous attendez. Et là, c'est bon, le Photoshop est bien craqué, on va dire. Hop, vous pouvez fermer ça. Et hop, on double-clique sur Photoshop. Et ça se lance directement, donc initialisation. Ça peut mettre peut-être un petit peu de temps. Au démarrage, si c'est la première fois qu'on le démarre, j'imagine que ça doit mettre un peu plus de temps que les fois suivantes, le temps que ça s'adapte bien à votre PC, tout ça. Donc voilà, ça charge. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Il y aura sûrement d'autres tutos parce qu'il y a plein d'applications comme ça, souvent payantes, qui sont très utiles pour ceux qui font de la vidéo, qui font. De la création de contenu sur internet. Et je pense que ça peut aider pas mal de monde, alors n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo au maximum pour que un max de personnes soient aidées par ce tuto.
Et voilà, on va attendre que Photoshop soit bien lancé. Ça devrait pas tarder. On attend, on attend. Ah mais je crois qu'il faut... Ah, je suis bête, fallait créer. En fait, il était lancé depuis tout à l'heure. Ça, c'est vraiment parce que j'utilise pas souvent Photoshop. Et du coup, voilà. Donc, vous faites créer nouveau et vous créez un. Enfin, voilà. Pour ceux qui savent se servir de Photoshop. Bon, là, c'est pas vraiment un tuto pour apprendre à se servir de Photoshop. Mais du coup, maintenant, vous avez Photoshop. Depuis tout à l'heure, j'attendais en fait comme un con, mais c'était déjà installé. Et du coup, voilà. Bon, du coup, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, les choses à faire, je vous les ai déjà dit. Et bah, du coup, c'était Obijawa. Ciao tout le monde.